Sound Productions. Bonjour à tous et bienvenue au bord du canal du Nivernais pour une partie de pêche à la canne. Je vais profiter de cette journée pour vous présenter un peu plus en détail le matériel fun fishing qu'on peut utiliser lorsqu'on va pêcher sur un canal comme celui-là et on va rechercher en priorité les beaux poissons. Donc là j'ai monté une partie du matériel, je vais vous présenter les appâts que je vais utiliser aujourd'hui. On va mouiller l'amorce et puis je vais commencer de pêcher d'ici une petite demi-heure. Alors pour l'amorce en fait j'ai sorti une base d'amorce étang gardon que j'avais dans le congèle. Là-dedans je vais ajouter l'AK-47, un méthode mix à la base pour pêcher la carpe, très concentré en farine de poisson. Vraiment très très bien pour pêcher les gros poissons. Là-dedans je vais y mettre de la chapelure blonde. Voilà, pour amener un peu de densité à mon mélange et un peu plus de volume. Ensuite, dans cette amorce, je vais ajouter du tourteau de maïs que j'ai mis à tremper hier soir avec de l'amino booster sweet corn. Donc c'est quelque chose que je fais presque systématiquement lorsque je recherche les beaux poissons. C'est-à-dire que je le fais gonfler dans l'eau pour l'avoir en crème. La stratégie aujourd'hui, ça va être de faire un coup à 5 mètres du bord avec de l'amorce. Ici, c'est un canal où il y a quand même quelques poissons chats. Donc l'idée, ça serait de les ramener à 5 mètres et puis de faire un coup sur la berge de l'autre côté avec des appâts un peu plus sélectifs, uniquement des pelés sur le fond et des grains de maïs pour pouvoir essayer de faire quelques poissons bonus un peu plus gros comme carassin, grosse brème ou éventuellement une ou deux carpes. Alors pour les appâts aujourd'hui, donc déjà sur mon coup de l'autre côté, je vais amorcer essentiellement avec des pelés surdosés en 3 mm. J'ai choisi l'arôme sweet corn pour tout ce que je vais prendre au niveau des appâts, que ce soit pour les baby corn, les pellets ou alors la pâte, puisque je vais quand même mouiller un petit peu de pâte, donc de la one and one sweet corn. J'ai prévu également quelques extrudés pour agrainer à la fronde pour faire un petit peu de bruit. Si vraiment il y a des beaux poissons, je passerai de temps en temps avec un baby corn surdosé monté sur une bague. Voilà, j'ai également prévu d'épeler des charges en 6 et 9 mm. Et puis j'ai monté un jigger, donc un flotteur pour pêcher dans les couches d'eau. Et pour ça, j'aime bien utiliser les Capro Pellets, puisque ce sont des pelés flottants. Et dès que vous les mettez à l'hameçon, ils coulent vraiment tout doucement. Donc ça pour prospecter au-dessus de l'amorce, par exemple quand on a des poissons qui montent un peu avec les températures, ou alors quand il y a des carassins qui aiment bien se promener dans les couches d'eau, le Capro Pellet, il est vraiment très intéressant pour ce type de pêche. Donc voilà ce que j'ai prévu pour les appâts. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure pendant que je préparais l'amorce, je vais mettre de l'amorce sur la bordure principalement, et puis sur mon coup de l'autre côté, je vais mettre essentiellement des pelés.
Voilà, donc pour le coup, sur la berge de l'autre côté, j'amorce essentiellement avec des petits pelés surdosés en 3 mm. Donc je vais faire un tapis sur le fond avec 3 coupelles. Je vais mettre quelques grains de maïs. Et puis on verra comment ça se passe pendant la pêche. Après, j'ai prévu également de la pâte one and one. Voilà, donc l'idée c'est de laisser le coup tranquille pour l'instant de l'autre côté. Je vais commencer la pêche sur le coup de bordure. Et puis on ira voir au bout d'une heure, voir si un ou deux poissons qui est rentré sur le coup. Mais pour l'instant, on va laisser travailler les pelés tranquillement sur le fond. Pour démarrer la pêche sur le coup à 5 mètres, j'ai prévu un flotteur de la série bleue, donc un BR3 en 0,50. Donc ça, c'est un flotteur que j'aime particulièrement utiliser en canal parce qu'il permet de faire des relâchés et souvent, c'est à ce moment-là qu'on déclenche les touches, que ce soit sur les gardons ou sur les plaquettes. Voilà, je profite qu'il y a un arrêt complet du courant pour pouvoir faire un petit tour avec une boule de pâte sur le fond. Voir si je peux déclencher les touches. Pour l'instant, c'est assez dur. Voilà, donc je suis resté pratiquement une heure sans touche. J'ai fait un petit tour sur le coup de l'autre côté avec une boule de pâte et je viens de capturer cette magnifique carpe.
Voilà, donc après à peu près 40 minutes de combat, ce ne sont pas des énormes poissons, mais par contre, c'est des poissons qui sont habitués à vivre dans les bordures. Et c'est vrai que le combat, il se fait que sur la bordure, donc c'est très compliqué de faire monter les poissons. Surtout que moi, j'ai pas une canne typée vraiment grosse carpe, donc j'ai pas trop tiré dessus. Voilà, ça reste vraiment des beaux poissons, des belles carpes sauvages. Voilà, donc la pêche est quand même assez difficile, il n'y a pas énormément de touches, dû au fait qu'il y a quand même une grosse présence de carpes sur le secteur. Mais systématiquement, après chaque poisson, je remets un petit peu de pelée de 3 mm, quelques grains de maïs et une toute petite boule de pâte. Histoire de bien recentrer le poisson sur le coup. Voilà, bah là je viens de faire vraiment un magnifique poisson au canal, un carassin un peu rouge, voilà, un poisson vraiment joli. Un peu jaune-orange, vraiment superbe. Donc là j'ai mis un peu de fluo boost dans mes dernières coupelles. Généralement ça marche bien pour les brèmes. Ah, je pensais que c'était une brème mais c'est un joli carassin. Alors j'en ai fait une juste avant. Généralement elles aiment bien venir dans le nuage. Un beau carassin, il a la gueule un peu fluo, hein. Je pense qu'il est venu manger dans la coupelle.
Voilà, le Fluo Boost, hein, c'est quelque chose qui permet de faire un nuage très attractif. À la base, c'est fabriqué avec de la fluorescine. On a rajouté à l'intérieur des attractants, bien sûr. Et là, aujourd'hui, j'avais choisi l'arôme Sweet Corn pour aller avec le reste de mes appâts. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre comme un joker. Il ne faut pas en mettre systématiquement. Mais là, aujourd'hui, il me restait un petit peu de temps à pêcher. J'ai déjà fait pas mal de beaux poissons, donc je voulais voir ce que ça pouvait faire. J'ai l'impression que ça a fait partir un peu les grosses carpes de mon cou. Enfin, les carpes d'une taille assez correcte. Et que ça a permis aux poissons blancs de se réinstaller dans le nuage. Quand on a un poisson qui est beaucoup plus gros que la capacité de la canne, il faut éviter de tirer sur le kit et plutôt travailler avec l'élastique. Donc là, je garde toujours mon kit dans la direction du poisson et je tracte avec l'élastique jusqu'à ce que le poisson soit fatigué, si j'arrive à le fatiguer. Voilà, donc presque 50 minutes de combat. Mais bon, ça valait le coup d'être patient. J'ai usé une batterie complète pendant le combat avec le poisson. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la mise à l'épuisette. Regardez-moi ça. Cette belle commune. Allez, raide comme un bout de bois. Bien sauvage. Ça, c'est vraiment un magnifique poisson. Voilà, donc sur un élastique creux de 1,7 mm. Voilà, je suis vraiment content pour finir la journée, c'est vraiment un magnifique poisson. Bon bah c'est terminé pour aujourd'hui. Finalement, ce qui devait être une pêche de poisson blanc avec quelques carpes en poisson bonus, bah ça s'est transformé en pêche de carpe. Et j'ai réussi au travers à faire quelques poissons blancs, mais c'était pas facile. Donc les deux premières heures, il n'y avait vraiment pas beaucoup de touches. J'ai pris une carpe à la pâte, j'en ai pris une autre avec un petit pelé soft hook au ras du fond. J'en ai pris une ou deux autres au pelé. En fait, le poisson il est rentré au bout de deux heures à force de mettre des coupelles de petits pelés surdosés. Et c'est vrai que là, sur la deuxième partie de la journée, le poisson était vraiment bien là. Bon, j'ai mis très longtemps à combattre les poissons, puisque j'avais pas la canne vraiment pour aller chercher ces poissons de, on va dire, de 2 à 6 kg pour les plus gros. Et du coup, j'avais monté que des élastiques creux en 1,7 au plus gros, dans le but de plutôt prendre des carassins et une ou deux carpes, mais pas l'inverse comme ça a été le cas aujourd'hui. Bon, au final, c'était vraiment une grosse pêche de carpes, puisque je pense que j'ai une très belle bourriche. Donc je suis vraiment content, j'ai passé une super journée, j'ai fait des beaux poissons. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à travailler les poissons, mais au final, bon, je pense avoir vraiment un beau tapis. J'ai pris un carassin un petit peu rouge orange qui est vraiment magnifique, j'ai pris un autre carassin normal, quelques brèmes, et puis majoritairement des carpes de 1 à 6 kg pour enfin, je pense 6 kg pour la plus grosse. Voilà. Donc bah, je vais sortir les poissons, puisque je vais me dépêcher de plier, et puis je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, j'avais monté un petit jigger pour éventuellement pêcher les carassins en surface. Bon, j'ai pas eu l'occasion de pêcher avec. J'avais monté également un flotteur K4 à antenne interchangeable pour pêcher à la patte. J'ai fait mes premiers poissons avec ce matin. Ensuite, j'avais monté un BR3, un flotteur de la série bleue spécial pêche au cou, pour pêcher sur mon cou amorcé. Mais bon, j'ai fait un ou deux chats, j'ai laissé tomber tout de suite. Et donc la ligne qui m'a permis de pêcher toute la journée, donc c'était un flotteur K1 Pro, donc pareil, flotteur à antenne interchangeable en 0,30, une ligne assez légère. Et dessus, j'étais monté avec un Excellium en 14 centièmes. Tous mes kits sur cette partie de pêche étaient montés avec un élastique creux en 1,7 mm. Donc une référence que j'aime vraiment bien utiliser, c'est ce que je monte en majorité sur mes kits. Donc c'est un élastique qui permet, comme vous avez vu aujourd'hui, de faire des très beaux poissons. Mais c'est un élastique qui est vraiment très bien pour la pêche au cou. Tous les poissons jusqu'à 2 kg, grosse brème, carassin, c'est vraiment une référence qui est tip top. Et donc j'avais monté également un hameçon XT1 en taille 16. Donc un petit hameçon.
Mais souvent, sur ce canal, quand on monte des lignes trop grossières, les carpes ne mordent pas. Voilà, faut pas oublier que ce sont des carpes sauvages. Elles n'ont pas trop l'habitude d'être pêchées. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas une grosse pression de pêche. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu personne. Donc, il faut vraiment avoir des montages très fins pour déjouer la méfiance des poissons. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Fun Fishing. Et puis, on se donne rendez-vous sur Facebook et sur Instagram. Allez, à bientôt avec ce magnifique poisson. Production.